Bonjour à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode du tournoi Top Poképot 14 Ultra Fury. Aujourd'hui, combat qui oppose moi-même face à Anaïs l'Ananas. Il y a eu du coup 3 combats. De toute façon, vous voyez bien, hein, je vais pas vous montrer le document parce que ça peut vous spoiler des trucs. Et commençons directement. Hein. Juste avant ça. Niveau de la musique, de l'intro, c'est en description. Niveau de du logo, pour la première fois sur cette chaîne, il y a de l'IA qui a été utilisée pour un logo, et même en règle générale. De base, il devait y avoir un logo fait par quelqu'un, sauf que cette personne m'a laissé tomber, plus ou moins au dernier moment, on va dire. Et étant donné que les personnes à qui, d'habitude, je demande un dessin ou quoi ne sont pas dispo, du coup j'avais pas d'autre choix. Ça sera assez exceptionnel, l'utilisation de l'IA. Peut-être que j'en ferai une vidéo un jour, mais pour ceux qui sont contre ça, j'avais pas d'autre solution. Il fallait que cette saison sorte en octobre, donc voilà. Mais j'espère que vous prendrez pas trop en compte ça. Malgré tout, je prendrai toujours de toute façon en priorité un dessin fait par un artiste. Donc voilà, maintenant que le point sur le logo a été fait, commençons directement. C'est avec 0 ID des deux côtés, ça fait l'attaque laser météore, ça switch sur bamboiselle laser météore qui enlève beaucoup les restes qui soignent, hop, et que la magie qui retire pas grand chose, et ça pose vampigraine directement. Et ça va faire laser metteur encore une fois, lance flamme qui retire rien. Je pensais que Anaïs allait switcher pour le coup avec vampigraine. Je fais abri, laser metteur qui ne va pas passer, qui m'aurait sûrement mis KO vu que ça booste l'attaque spéciale. Cablifère qui rentre, qui va se prendre tac lourd, il va perdre un tiers de sa vie. Et je vais switcher directement sur Mandrillon qui va se prendre coup de jus et résister correctement. Cradovac qui va achever Cablifère. Hop, le petit boost chimère. L'orbe vide bien sûr. Mouscoto qui arrive, des flags qui va le one shot. Et bon là maintenant ça va snowball probablement. Cancrelove qui arrive, Cradovag qui met KO. À part Bamboiselle et Katagami qui sont de type acier, je peux faire que déflagration. Lander qui va me mettre KO. Ça envoie du coup Michael qui va faire lance-flamme, qui va résister à Lander. Et hop, ça envoie Zeroïde qui va se prendre lance-flamme et perdre 19%. Je switch donc sur Katagami qui va rien prendre sur Neherbe. Ça envoie l'autre Katagami. Ça fait l'âme sainte qui va enlever 85%. Et j'ai la speed tie où j'ai été plus rapide. Donc son Katagami Anaïs va mourir. Hop, en plus j'ai l'orbe vie. Bamboiselle qui va mourir sur l'âme sainte. Pas pour le moment, mais qui a perdu pas mal. L'âme d'air qui va me mettre KO. Je réenvoie Michael qui va faire surchauffe et mettre KO. Je pensais qu'Anaïs allait switcher étant donné que je suis de type feu. Ça envoie Zeroïde, dans tous les cas, vu qu'elle est PDR, je pense pas qu'il aurait résisté très longtemps. Donc, dans le doute. Hop, deuxième combat. Ça aide avec Mouscoto contre Lily, piège de roc, séisme qui va me one-shot. Hop, le boost de chimère. Michael qui arrive et qui va faire lance-flamme et qui résistait. Séisme qui va mettre KO. Un deuxième Pokémon, en one-shot en plus. J'envoie Origami King qui va saboter le Mouscoto et le mettre KO. Hop, derrière Origami King qui est Orbe Vie, pardon. C'est vrai qu'on peut voir les objets comme ça. Si on le voit, si ça a été fait, c'est vrai. Triple Axel du coup qui va me mettre KO. Et là, je suis assez dans le mal. Hein. J'ai perdu énormément de Pokémon et son Cancrelove fait extrêmement mal. Faut que je le tue le plus vite possible. Donc, j'ai fait Vampigraine pour ce tour-ci. Et il me semble qu'après, j'ai fait Abri, voilà, pour gratter un tour en plus. Parce que là, le Cancrelove à plus 1, ça fait très très mal. Et le double abri qui malheureusement ne passe pas, triple axel qui va achever objectif lune, mais au moins il aura bien achevé et enlevé des PV sur le Cancrelove. Close combat qui va le mettre KO. Hop, le petit boost en vitesse de smash qui va refaire close combat sur le Bamboiselle, ça ne va pas suffire, qui va faire l'amener et me one shot. En même temps c'est x4 et j'ai deux baisses de défense. Origami King qui va mettre KO le Bamboiselle. Et donc là, de toute façon, face aux 3 Pokémon adverses, je peux difficilement mettre KO. Sachant qu'en plus, je suis Orbe Vie. L'âme sainte qui va pas me mettre KO. Hop, l'âme sainte, mais moi, je vais mourir de l'Orbe Vie. Et c'est donc une victoire d'Anaïs pour ce deuxième combat. On va passer au troisième. Hop. Mouscoto contre Michael. Ça switch sur 0 directement. Et surchauffe qui retire pas grand-chose.
Donc je vais switcher et envoyer Smash, Laser Matter qui est chargé, Close Combat qui va achever Zeroïde. Et hop, le petit boost chimère, ça envoie Bamboozle qui va se prendre Close Combat également. Bon, petit lame d'air comme tout à l'heure, ça va me mettre KO. Donc là, j'envoie Objectif Lune qui va se prendre Lance-Flamme, résister correctement. Et moi, je fais Lance-Flamme également. Des deux côtés, ça va faire Lance-Flamme Lumino-Canon. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que Anaïs a anticipé un switch, chose qui n'a pas été fait. Et moi, je vais Lance-Flamme ce qui met KO. Câblifère qui rentre, Miel Pops, Change Éclair qui va être fait et envoyer Cancre Love, Triple Axel qui va miss malheureusement, et la Dracometer qui a one shot. Si Triple Axel avait passé, je sais pas si j'allais gagner ce combat. Déflagration qui va faire assez mal sur le Mousqueto, qui va faire séisme et me mettre KO. Le boost, on attaque grâce au boost chimère. Hop, Objectif Lune qui arrive, Câblifère. Et ça envoie Lily qui va résister assez bien à Kodu. Malheureusement, je vais être paralysé. Et Écosphère d'air qui va me retirer 31% également. Moi, je fais Bomber qui va mettre KO. Câblifère. Et donc, plus que deux Pokémon à Anaïs. Mousqueto qui va mettre KO Lily. Ensuite, je vais, il me semble, envoyer Objectif Lune. Ça, Vampipan qui va retirer assez mal. Enfin, qui va me faire assez mal. Lance-Flamme qui ne va pas suffire. Et qui ne va pas le brûler également. Donc là, il refait Vampipan. Et il me semble que j'ai fait Lance-Flamme à nouveau. C'est vrai. J'espérais peut-être une brûlure ou un switch, malgré le fait que ça m'étonnerait. Objectif Lune qui va rester avec l'abri pour gratter un petit tour. Vampipoing qui va être fait, qui va mettre KO Objectif Lune. Il reste donc plus que deux Pokémon à chacun, dont un Katagami. Michael qui va faire surchauffe et brûler le Mousqueto. Et il reste donc plus que Katagami et la surchauffe malgré le moins 2 en défense aurait pu one shot si Katagami n'était pas ceinture force. Sabotage qui va me mettre KO. Il reste donc plus que mon propre Katagami qui était déjà plus rapide, on avait pu le voir tout à l'heure. Et qui va achever le Katagami d'Anace. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire sur vous qui va gagner le tournoi. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vous dis enjoy.